Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, nous demandons à tout esprit qui n'est pas de nature à donner gloire, honneur et louange à l'Éternel des armées, notre Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, et à l'Esprit Saint, notre Créateur, notre Avocat, qu'il sorte et que la parole de Dieu puisse prêcher avec onction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te demandons toute cette grâce. Amen. L'un des docteurs de la loi fit cette question à Jésus. Il dit, Maître, quel est donc le plus grand commandement dans le livre de la loi? Amen. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Le premier et le plus grand commandement, nous t'ai parlé de ça. J'ai dit, Matthieu 6, verset 33, nous t'ai parlé, nous t'ai touché, pas ça et ça. Nous t'ai dit comme ça, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses nous seront données. Amen. Et nous t'ai dit que il y a la première chose, le premier grand commandement et les autres choses. Je t'ai parlé de ça hier, le message que le Saint-Esprit t'a communiqué à peuple. Mais maintenant, mes frères et mes soeurs, nous allons aller dans Luc chapitre 10 pour nous bailler un autre message semblable que le Saint-Esprit libère nous pour nous capables de parler à la gloire de Dieu. Luc chapitre 10, à la gloire de Dieu, n'a ouvert la Bible ensemble avec moi. Nous allons faire une petite analyse exégétique ensemble à la gloire de Dieu. Luc chapitre 10, nous allons faire une analyse. C'est tout pour ne connaître pas ça et ça, mais je vous dis, on a besoin d'analyser dans votre contexte. C'est Marc et Marie. Marc et Marie. Comme Jésus était en chemin, à partir du verset 30, vous êtes avec moi? Nous allons lire ensemble. À partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu dit nous là. Nous voulons parler aujourd'hui à les deux choses. Les deux choses. Et verset qui fait référence. Première chose là, nous voyons qu'elle avait une soeur nommée Marthe qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Jésus dit comme ça que une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. L'analyse que nous avons fait,
Nabdi, ici, à travers ce texte, il y a deux choses. Il y a la première chose et la deuxième chose. La première chose, eh bien, c'est être avec le Seigneur. Et la deuxième chose, c'est divers soins domestiques. Les nous garder dans verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ici, il y a la première chose, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes avec moi? La première chose est beaucoup de choses. Nous allons parler avec vous. Numéro 1, c'est première chose. Et numéro 2, c'est deuxième. Deuxième chose, là, nous devons aller beaucoup de choses. Donc, nous pourrions dire ça que il y a une différence entre la première chose et la deuxième chose. Il faut pouvoir classer par ordre de grandeur d'importance entre la première chose et beaucoup de choses et l'autre chose. Les nous gardons dans Matthieu chapitre 6, verset 33. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les autres choses, c'est deuxième chose. Parfois, dans notre classification, nous ne prenons pas dans l'ordre. Et là, nous ne prenons pas dans l'ordre comme ça, eh bien, nous faisons un faux pas. Il faut nous classer. Et nous comprenons. Jésus dans la maison de Marthe et de Marie. Et la Bible, la parole de Dieu nous consacre, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et nous, mais ça nous constate encore, mes frères et sœurs, c'est que qui est-ce entre Marie et Marthe, qui est-ce qui te recevoit maintenant avant? C'est Marthe qui recevoit maintenant avant. Les recevoir maintenant dans sa maison et avant. Mais quand elle recevoir maintenant dans la maison avant, elle finit par la parole de Dieu de nous, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Mais on comprend mal. Jésus venit. Eh bien, c'est normal pour qu'elle soit capable à donner lui. Se donner de la peine pour préparer eh bien nourriture pour mettre là, pour préparer manger pour mettre là, et assurément si mettre là besoin de reposer pour manger cabane pour mettre là capable de reposer. Mais Marie lui-même bah ça a pas de bal importance dans ces deux catégories de choses. La première chose et la deuxième chose, et nous avons un choix ici. Qui choisit le choix, il y a un symbolisme dans ce texte. Et c'est ce symbolisme-là que je vais être pour la peine pour être capable de déchirer avec vous. Il y a dans ce symbolisme, il y a le matériel et le spirituel. Le matériel et le spirituel. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a dit beaucoup de choses, ça appartient au matériel. Et la première chose, dans la lignée de bail d'abord bon Dieu gloire, honneur et louange, c'est chercher bon Dieu d'abord. Matthieu 22 verset 37, la première chose, le premier et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Une seule chose est importante. Vous comprenez, Matt, il faut qu'il t'a fait tout le travail, ça. Mais Marie passait sous Matt. La première chose, beaucoup de choses. La chose la plus nécessaire, c'est rester avec le Seigneur. Écouter la parole du Seigneur.
C'est ça ma Marie fait. Rester dans pied mettre là pour la tendre parole mettre. Pour la causer avec mettre. Pour la adorer mettre. Bal gloire, honneur et louange. Non, classification, c'est ça font parallèle, nous dit parallèle là, c'est le matériel avec le spirituel. On regarde que mente li matériel. Et Marie, le spirituel. Marie a cherché un bagaille qui est plus fort que l'autre bagaille. Être dans la présence divine. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, je vais vous dire dans cette classification, c'est Jésus d'abord. La priorité, c'est pour le Seigneur. C'est pas la nourriture d'abord. Ce n'est pas les divers travaux domestiques d'abord. Ils sont importants. Ils sont nécessaires aussi. Mais une chose qui est plus nécessaire, c'est rester dans la présence divine. C'est ça qui est important. Et je ne peux pas comprendre comment ça fait. C'est Marthe qui recevait le Seigneur avant. Et Marie passait devant. Ça fait me comprendre que il y a des gens qui recevoir le Seigneur, mais qui ne pas faire importance à la première chose. Mais qui a donné au plutôt, ne savait à beaucoup de choses. Ce matin, mes frères et mes soeurs, cet après-midi, ça veut dire que la chose nécessaire, c'est accepter, c'est servir, recevoir Jésus dans votre maison. Le servir, le louer. L'adorer, lui donner gloire en tout temps, rester toujours dans la présence divine. C'est ça qui est plus important. Nous pas dit notre bagage n'est pas important. Nous pas dit à faire manger pour mettre la part important. Nous pas dit à chercher de l'eau pour mettre la part important. Nous pas dit notre bagage n'est pas important. Nous pas dit faire cabane pour mettre la part important. Mais ça qui est plus important, et c'est ça mettre à chercher pour que nous puissions montrer que nous aimons. Pour nous rester dans le pied. Je dis à moi-même avec vous, parfois, eh bien, nous tromper. Au lieu pour nous chercher, pour nous affectionner nous aux choses d'en haut, n'affectionner nous de préférence aux choses périssables. Le message, le son que mettre là à montrer nous, on va dire que deux personnages différents. Youn qui a cherché, qui a été un souci lié qui était pour des choses périssables, matérielles, ou est l'autre à lui-même, l'abdomea n'en permet là. Nous comptons ça. Moi-même avec vous, c'est ça la leçon. Oui, Matt recevra dans la maison. Mais monsieur, si vous parlez de mathématiques, est-ce que le Seigneur n'a pas qu'être leçon, il voulait passer là. C'est-à-dire que qui est-ce qui a plus importance? Est-ce que nous parlons de bagaille matérielle plus importance que bagaille spirituelle? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, verset 4, dira que l'homme ne vit pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça qui est important pour moi, ça qui est important pour vous, c'est rester toujours dans la présence divine pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas le travail qui est plus important, c'est nécessaire. Mais tu as dit une seule chose est nécessaire. Marthe, c'est ce message, c'est prédication ça, c'est serment ça, que Jésus livre les fonds leçon. Avec Marthe, tu t'inquiètes pour des choses rien. Ou inquiète pour cuisiner. Ou tellement inquiète pour cuisiner. Ou même t'avlé pour détacher Marie de ma présence. Est-ce que nous avons dit bien avec vous? Ou même sorti pour détacher Marie de ma présence. Pour que le vin occupe sa cuisine de préférence. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il dit que Marthe occupée à divers soins domestiques. Surveillez-y. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Ça fait comprendre que, n'est-ce pas vrai? Eh bien, Marthe
besoin concours de mari dans ses divers soins domestiques. Retirer mari dans le pied mettre là et pour qu'elle capable prendre part aussi dans affaires cuisine. Mettre là dit non mari. Non mal. Tu t'inquiètes pour trop de choses, pour beaucoup de choses. Et c'est la première chose qui est importante. C'est le geste de mari qui est important. Le geste de mari, c'est rester connecté avec le Seigneur. Mes frères et messieurs, la première et la deuxième chose. La première chose, pour nous rester, moi-même avec vous, pour nous rester connecté avec le Seigneur. Recevoir Jésus dans votre cœur. Priorité. Première priorité, c'est rester avec le Seigneur. Rester avec le Seigneur, c'est la part idéale. C'est la part la plus importante. C'est le gros morceau. C'est le gros lot. Rester avec le Seigneur. Parler du Seigneur. Comment rester avec le Seigneur? C'est remettre bon Dieu. C'est gagner la crainte pour le Seigneur. C'est chérir bon Dieu. C'est adorer bon Dieu. En tout temps, matin, midi et soir. Ben bon Dieu, gloire, honneur et louange. Bon Dieu, plus bon. Jésus, plus agréable. Toute la journée, nous baillons problème plus importance. Les affaires de ce monde plus importance. Nous parlions plus et nous parlions plus souvent que parler de Jésus. Parler de dette, parler toute bagaille, le manger, le boire, travail, toute bagaille. Nous parlions plus que pour nous rester dans la présence divine. Je dis à mon vieux, moi, avec vous, nous avons gros loin. Nous trouvons des bagailles qui sont plus importantes. Ce qui est plus important, c'est servir le Seigneur. L'autre bagaille, le Seigneur et les autres choses. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses n'arrivent après. Les autres choses, ils vont venir après. Satan comprend qu'il est capable de promettre là. Les lames diront qu'il ordonne que ces roches deviennent des nourritures, des pains pour manger. Matthieu 4, 20, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, mes frères et mes soeurs, cet après-midi, c'est d'abord le Seigneur. Deux grandes catégories de choses que nous gagnons dans le texte. La première catégorie, eh bien, et qui ça, dans la première catégorie de choses, dans la première chose, pour nous rester connectés avec le Seigneur. Donner gloire, honneur et louange en tout temps. Faire jeûne. Donner action de grâce à l'Éternel. Lecture biblique. Pour qu'il y ait la crainte de Dieu. Pour nous guérir la crainte de Dieu, pour nous connaître que, qu'elle soit côté de nous, bon Dieu, ouais, nous. Pour nous chérir, bon Dieu. Pour nous adorer, bon Dieu. N'est-ce pas vrai? Eh bien, dans deux grandes catégories-là, n'est-ce pas vrai? L'or rester connecté avec le Seigneur, rester toujours dans la prière, ça fait partie de la première chose. Même avec vous, nous guérir première. Si nous guérir première, toute l'autre bagaille va venir après. Moi, je m'ai regardé bien, difficulté qui gagne sur la terre, problème qui gagne. Matin, midi et soir, on a goûté travail à droite, à gauche, pour nous joindre de quoi pour nous payer bill, pour nous payer facture. Il y a épreuve, il y a tribulation. Manger pour nous manger, matin, midi et soir. Mais tu as dit, depuis nous jouons une première chose là, l'autre bagaille va venir. Tu t'inquiètes. Il y a des gens qui prennent deux catégories. Qui est-ce qui est dans la catégorie, n'est-ce pas vrai, mal? Il y a des gens qui sont dans la catégorie mal, il y a des gens qui sont dans la catégorie mari. Moi-même avec vous, mes frères et mes soeurs, nous cherchons pour la première chose. Pour nous rester avec le maître. Même les audios fous, ils ne doivent pas qu'on sauve lui, mais nous restons connectés avec le Seigneur.
m'a regardé gen moun na oui. Parce que moi pas bon goût, pas bon goût, parce que gars pas bon goût. On pas qu'être frère et sœur, on pas grand rien en nous. Mais nous content après-midi là. Nous gen la première chose. Il y a des gens qui ne peuvent pas checker, ils disent besoin de 10 000 dollars, ils ne peuvent pas checker 10 000 dollars. Ou pas gagner dans mon. Il y a des gens qui ont un dossier pauvre. Je dis, nous avons un bagage. Et la première chose avantage, la première chose là, il ne peut pas périr jamais. Ma parole ne peut jamais périr. Mais beaucoup de choses, les autres choses, tout bagage c'est éphémère sur la terre. Multimilliardaire tout a mouru. La fois dernière, apprendre moi qu'il y a un multi riche. Il soit condamné sur l'officiel. Les soucis de ce siècle font partie de beaucoup de choses. Les factures font partie de beaucoup de choses. Les problèmes moraux font partie de beaucoup de choses. Les problèmes de ce siècle font partie de beaucoup de choses. Humiliation, problèmes, difficultés, angoisses, les flots font partie de beaucoup de choses. Ça fait partie des autres choses. Ou pas bon goût national, ou pas grand rien dans le monde, compte pas qu'on vide, ou pas grand rien du tout. Soit gagné, ou soit tu prendre dans le monde. Défi à droite et à gauche, mes frères et mes soeurs. Ça en fait partie, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Ou inquiété de beaucoup de choses. Ou agité, vraiment avec vous, nous agité trop pour beaucoup de choses. Persécution de toutes natures, de toutes façons, de tous sens. Ça fait partie de beaucoup de choses. Mais est-ce que vous avez la première chose? Est-ce que vous êtes dans la présence divine? Est-ce que vous marchez avec le Seigneur? Est-ce que vous restez connecté avec le Seigneur? Si vous et moi, mes frères et mes soeurs, nous restons connectés avec le Seigneur, nous faisons partie de la première chose. Parce que les autres choses appartiennent à Dieu, non pas à vous. Dans tous vos combats, dans vos batailles, dans tout vos mains, ça fait partie, n'est-ce pas vrai, de beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour le demain. Le lendemain n'est pas pour vous. Tu t'inquiètes pour maintenant. Maintenant n'est pas pour vous. Tu t'inquiètes pour ton combat. Le combat n'est pas pour vous. Tu compares, tu te fais la peine. Tu t'inquiètes. Tu t'agis. Pour les problèmes familiaux, tu t'agis. Pour les problèmes financiers, tu t'agis. Vous vous agitez pour ça. Le Seigneur m'a mandaté pour vous dire, puisque vous avez le Seigneur, eh bien, la première chose, n'est-ce pas vrai, lui remporter tout un bagaille, c'est dégui. Bientôt, très bientôt, si vous et moi, nous restons connectés avec le Seigneur va faire de grandes choses pour nous-mêmes. Aujourd'hui, le parallèle qui existe entre Marthe et Marie, c'est qu'il y a le matérialisme, il y a le spiritualisme. Nous sommes spirituels, nous restons spirituels. Il faut donner plus d'importance aux choses d'en haut. Nous pas dire les choses terrestres ne sont pas importantes, mais d'abord, chercher la présence divine. Votre priorité doit être le Seigneur. Votre première chose, c'est le Seigneur. C'est la prière à Dieu qui est la première chose. Ce n'est pas le travail. Vous savez, vous connaissez mes tendres, comment vous savez ça? Lisez un message sur le commerce. De même, Dieu doit être le commencement de tout ce que vous faites. Dieu doit être en première place de votre agenda. Votre priorité doit être Dieu. C'est la première chose. Marthe se plaignait parce que Marie est restée connectée avec le Seigneur pour entendre la parole de Dieu.
Mais ça n'a pas, pas du moyen pour que seul qui te m'a travaillé seul en tant qu'elle là. Ça n'a pas du moyen. Ma, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites. Tu te donnes trop de problèmes pour des choses périssables. Des choses banales. Des choses qui ne sont pas nécessaires. Des choses éphémères. Je dis, on va avoir tête problème pour nos tosios qu'on connaît. On va avoir tête problème. Et tandis que tu as la première chose. Restons connectés au pied du maître. Pour écouter sa parole. Pour donner gloire, honneur et louange en tout temps à votre Dieu. Et les autres choses, c'est païoué. Mes frères et mes soeurs, mettons le Seigneur à l'épreuve. De chercher premièrement la première chose. D'avoir la crainte pour le Seigneur. De chérir le Seigneur. David dit, Psaume 18, verset 2. Dit que j'aime l'Éternel. David dit, j'aime le Seigneur. Regardez dans Romains 8, à partir du verset 35. Serviteur a dit, pas grand rien qui est capable de séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La première chose, c'est parce que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui êtes la première chose. Ce n'est pas vous d'abord, c'est Dieu d'abord. Il faut aimer Dieu plus que vous. Vous n'êtes rien. Il faut aimer Dieu plus que votre travail. Il faut aimer Dieu plus que vos affaires domestiques. Il faut aimer Dieu plus que vous, plus que vos enfants. Il faut aimer Dieu plus que votre mari. Il faut aimer Dieu plus que votre femme. D'abord, le Seigneur, ton Dieu, c'est le premier, le plus grand commandement. Matthieu 22, verset 37, ça fait me comprendre que, n'est-ce pas vrai? Eh bien, Marie, n'est-ce pas vrai, est en train d'exécuter la parole de Dieu, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le bagaille aussi après. La première chose et la deuxième chose. Le parallèle. Seigneur, aide-moi dans ma vie. Tout au long de mon existence terrestre, à rester connecté avec toi, qui est la première chose à chercher. Les autres choses, pas d'inquiétude pour eux-mêmes. L'inquiétude est un péché, mes frères et mes soeurs. Même Jean-Maître l'a dit, ça, pas fait adultère, son péché, mais t'as dit, ça, que, ou pas de guerre, aucune crainte, aucune inquiétude. Si vous et moi, nous avons des craintes, des inquiétudes, eh bien, nous péchons devant le Seigneur. Parce que gestion importante pour nous-mêmes, c'est l'actuel que nous devons gérer. C'est ce moment que nous devons gérer. Plus tard n'est pas pour nous. Plus tard appartient à Dieu. C'est Dieu qui est tout. Le moment est venu, n'est-ce pas vrai, de donner à Dieu la place qu'il faut. La place qu'il faut, c'est le numéro un. Parce que vous ne vous appartenez pas à vous. Vous vous appartenez à Dieu. Dieu demeure avec nous. Dieu habite avec nous. La place est pour Dieu. Vous vous inquiétez pour des choses futiles. Lâche de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Notre urgence n'est pas le travail, mais notre urgence, c'est Dieu d'abord. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. C'est la raison pour laquelle, quand nous regardons dans Josué chapitre 24, n'est-ce pas vrai, verset 14, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Il faut servir l'Éternel des armées, il faut servir Jésus avec crainte, avec fidélité. Il faut le servir. Dieu est un Dieu jaloux. Si nous aimons Dieu, il faut que nous l'aimions seul d'abord. Lui seul avant. Les autres choses, c'est après. Voici donc le premier grand commandement.
Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici donc le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères et mes sœurs, c'est une injonction. C'est une recommandation que l'Éternel, notre Dieu, eh bien, lui imposer à nous-mêmes pour nous battre gloire, honneur et louange en tout temps. Même j'ai parlé dans Deutéronome, chapitre 6. Ça, c'est très important. Il dit, commandement, hein? Verset 2, avec que tu crains l'Éternel, ton Dieu. Quand vous parlez, vous vous trouvez dans n'importe quel endroit. Personne ne parle. Mais il y a quelqu'un que vous voit, qui nous voit. C'est Dieu qui nous voit. Dans ma gouille, moi, personne ne parle. Mais bon Dieu, oui. Moi, je dois aimer bon Dieu. Comment moi, mais bon Dieu? Moi, je dois connaître. Moi, je dois croire dans l'existence de bon Dieu. Moi, je dois dire la crainte pour bon Dieu. Deutéronome chapitre 6, afin que tu crains l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois, tous les commandements de notre Seigneur, pour nous observer, pour nous aimer, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça que nous devons faire. Aimer notre Dieu, nous donner pour le Seigneur. Marie a fait bien deux grandes catégories de choses. La première chose et la seconde chose. Beaucoup de choses, c'est toute bagaille qui nous bat nos problèmes. Là-dedans. Et sinon, rester connecté avec le Seigneur, eh bien, les autres choses, c'est toute difficulté qu'on est capable de venir après. Je parle de ça hier encore. Je dis, nous dis encore. Les nous remet mon Dieu. Mon Dieu est un pile bagaille. Il va faire dans la vie nous. Remet mon Dieu, c'est gagner la crainte. Remet mon Dieu, c'est respecter non. Remet mon Dieu, c'est dire que moi-même, moi j'ai bon Dieu la vie, mais bagaille, mais pas qu'à faire. Faut qu'il la crainte. On voit comment l'homme est craint pour une série de dons. Même téléphone cellulaire, il y a fermé. Parce qu'il y a une crainte pour l'homme. Et qu'il y a des côtés, si téléphone cellulaire a sonné, il y a perdu le job. Il y a perdu le job. La crainte pour les hommes. Mais qu'il y a une crainte pas bon Dieu noir. Qu'il y a une crainte pas bon Dieu noir. Dit, le matin ou lever avant. Qui soit fait le matin? Qui soit fait avant? Votre première priorité le matin, c'est dit bon Dieu merci. Pour nous là, le permettre qu'on traverse en bien. C'est lui qui a créé les nuits et les jours. Les nuits et les jours qui ne sont jamais en panne. Est-ce que nous là capable en panne? Ouais. Si nous rêvons mal, toujours dire à nos côtés, nuit là en panne. Ça capable qu'il y a nuit là en panne. Oui, m'a dormi, bon, je ne pas jamais qu'à jour. C'est Dieu qui a le contrôle. Les nuits ne sont jamais en panne. Il dit, oui, le jour est en panne. Même si l'homme qui a dormi, je dis, l'homme mourit, l'homme tombé. Il a créé les nuits et les jours. Qui ne sont jamais en panne. Il met le soleil là. L'homme de Dieu, c'est ton fierté pour moi. Dans la place d'achat des ormeaux, il y a une panne de l'eau. Tout le monde chimène en panne de l'eau. Mais c'est le Seigneur qui fait de l'eau. Vous comprenez? Eh bien, captage là, tu y as pété. Mais le Seigneur qui fait tout le bagage. La lune qui n'est jamais en panne. Le soleil qui n'est jamais en panne. L'autre a dit le pas contre mon Dieu. Ou pas contre mon Dieu, regardez bien. Regardez bien, regardez. Ou bien deux pieds, regardez bien gauche, bien droite. Regardez comment le Seigneur fait deux pieds. Yon pas plus gros que l'autre. Tout le bagage bien mesuré.
Regardez comment que chaque monde qui est sur la terre, l'Éternel met ton numéro spécial pour vous-même. Et Félicien, non, sur vous-même. Tout le monde a une empreinte différente. Excepté Jésus avec son Père. Qui a la même empreinte. Le moment est venu, mes frères et mes soeurs, entre ces deux personnages, Marthe et Marie. Qui est-ce que vous choisissez? Et ça fait me comprendre tout. Marie et Marthe, effectivement, lui recevoir Jésus la Kaili. Est-ce que vous avez prêt? Lui recevoir Jésus la Kaili. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas chrétienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le problème, Marthe, c'est que il a plus d'importance aux choses matérielles que les affaires spirituelles. Qui est la parole de Dieu? Ça fait me comprendre. Moi-même, avec vous, nous ne devons pas être des chrétiens matériels. Nous devons être des chrétiens spirituels. Nous devons être des hommes de prière. Nous devons être des femmes de prière. Dans tout, ça l'a fait. Dieu d'abord. C'est ma priorité. Vous voulez tirer? Dieu d'abord. Vous avez les âmes dans son main? Dieu d'abord. M'a souffri? Dieu d'abord. Ma grande goutte nationale? Dieu d'abord. Problème à droite, à gauche? Dieu d'abord. Calamité? Dieu d'abord. Alléluia. Regardez, bon serviteur de Dieu qui était le Josaphat. Josaphat, il pressait les idoles. Il te fait qu'est bon Dieu content. Il te remet pour Dieu. Il n'est pas allé dans la question de les dieux de Baal. Il n'est pas dans le bagage ça. Mais il était resté connecté avec le Seigneur. Il est d'abord cherché bon Dieu d'abord. Et Noé, dans son combat, dans toutes ses difficultés, dans ses besoins, les coalitions d'ennemis, de savoir tout faire encore, puis on marche et prend Josaphat, mais l'Éternel le combat pour lui-même. Mes frères et mes soeurs, devant vos combats, devant vos difficultés, et ça vrai, eh bien, Josaphat n'a pris parole, Josaphat, les ou cherchez bon Dieu d'abord, mais avantage qui gagne. Nous savons que la vie éternelle, dans tout combat, dans toute difficulté, dans toutes affaires, l'Éternel a toujours ses avocats pour défendre nous. Ou pas capable que, dans toute bagaille, qu'elle soit contre l'Alia, bénédiction pour Dieu, à suivre vous. Et tout combat qu'on gagne, ou un porteur déjà la victoire. Mes frères et mes soeurs, après, Iconique 20, verset 17, vous n'avez point à combattre en cette affaire. Dans quelle que soit affaire aujourd'hui, le fait qu'on cherche la première chose, eh bien, combat où il est là-dedans, ça relève seconde chose. Les relève beaucoup de choses. Vous êtes dans un combat comme moi, je suis dans un combat. Dans qui combat où il est là, ma soeur? Dans qui dilemme où il est là? Dans qui défi où il est là? Dans qui difficulté où il est là? Qui épreuve qui sortit pour péter faire? Dans qui entraille où il est crassé? On flot à droite et à gauche, sorti pour aller avec vous. On en met tant de l'eau, on en met tant de tempête, par les rivages, par les côtés. N'est-ce pas vrai? Ça relève beaucoup de choses. N'ayez aucune crainte. Et le Seigneur va combattre pour vous. Restez ferme, restez correct dans cette affaire, dans votre histoire. Le Seigneur connaît votre histoire. Le Seigneur connaît le bagage, personne monde. Ce sont des dilemmes, ce sont des défis. Le Seigneur connaît eux. Ça fait partie de beaucoup de choses. Mais la première chose, vous l'avez. Aucune crainte devant ces autres choses. Deutéronome 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. C'est ça, maintenant. Verset 15. Ne craignez point, et ne vous effrayez point. Les aurez mes bons dieux, mes avantages, mon Dieu bas. Ou pas de crainte, ou pas bien effrayé, ou tout donné, manger, ou travailler, tout à fort, c'est bon Dieu pour les affaires. Mais premier bagage pour gagner, c'est rester connecté avec bon Dieu pour donner des paroles, bon Dieu. Mes frères et mes soeurs, eh bien, moi-même avec vous encore, eh bien, dans deux catégories de choses là, c'est la première chose, c'est ça qui est correct. Nous sommes avec vous, nous restons avec mon Dieu. Nous avons servi mon Dieu. Nous avons la gloire, honneur et l'orange. Tout notre bagaille, nous déclarons beaucoup de choses et nous avons plagué toutes sous épaules maintenant. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.